ça y est, fin du troisième jour où je me situe actuellement à Bologne. J'étais ce matin à Florence pour visiter le Palazzo Vecchio, une très 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 belle visite, très très sympa, des pièces magnifiques, je vous montrerai des images, c'est vraiment exceptionnel, enfin, vraiment c'est un endroit à faire, je vous le conseille à Florence. Avec une montée au niveau de la tour à la fin, c'est vraiment vraiment génial. Et par contre, malheureusement, j'ai pas pu faire ce matin à Florence le Duomo. J'ai vraiment pas pu rentrer, même en libre, en voulant juste faire la cathédrale sans vouloir monter sur le dôme, etc. C'était impossible, franchement, il y avait trop de queue. Et puis j'avais vraiment envie de faire le Palazzo Vecchio, que je regrette pas du tout pour le coup. Mais c'est vrai que le seul regret que j'ai sur Florence, c'est que j'ai pas pu rentrer dans le Duomo. C'est pas grave, peut-être que j'irai une fois dans ma vie, j'en sais rien, mais en tout cas, de l'extérieur, il est quand même vachement magnifique et je regrette pas parce que j'ai fait pas mal de trucs à côté. Du coup, ici, je suis à Bologne, donc au jardin Margherita, donc un parc. Hein, en fait, l'intérêt touristique est pas énorme, c'est juste qu'on me l'avait conseillé, mais je trouve que franchement, il est pas si fou. C'est un parc, voilà, quand on a l'habitude d'aller dans des parcs, quand on habite Bologne, cet endroit est vachement sympa, il y a des pistes pour courir et tout, c'est chouette, mais. Pour moi, c'est trop goudronné pour être un vrai parc sympa à faire. Pour le coup, j'ai préféré le jardin que j'avais fait à Florence, le jardin Boboli. Et là, du coup, je me trouve à Bologne et vraiment une super bonne surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Enfin, je m'attendais à quelque chose de beau, mais là, vraiment, je suis vraiment vachement content de mes premiers pas à Bologne. J'y reste encore demain jusqu'à 16h à peu près. Donc là, il me reste encore la fin de journée pour aller parcourir un peu la ville en fin d'après-midi et aller manger au resto et après aller me reposer à l'auberge de jeunesse et tout le lendemain matin où je vais pouvoir un peu arpenter les coins que j'ai pas fait. Mais vraiment, Bologne, c'est super chouette. En tout cas, de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, les bâtiments sont hyper colorés, il y a plein de petites ruelles partout, c'est vraiment super mignon et j'ai hâte de découvrir la suite. Ah oui, un petit mot sinon sur le voyage entre Florence et Bologne. Donc le temps de trajet a été affiché de 35 minutes, on a mis 35 minutes. Vraiment nickel, franchement, train hyper rapide, très confortable, enfin bref, tout nickel. Le seul truc qui me déçoit un peu, c'est qu'en fait, entre Florence et Bologne, alors je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de montagnes, mais en fait c'est quasiment que du tunnel du début à la fin. Il y a très très peu d'endroits où on voit la Toscane et puis la lumière du jour finalement, on est les 90% du voyage, on est dans un tunnel. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, je pensais que j'allais voir un petit peu du pays et en fait je suis resté les yeux rivés sur mon téléphone parce que en fait il n'y a rien à voir, c'est dans un tunnel. Donc voilà, j'espère que le trajet que je ferai demain entre Bologne et Venise sera un peu plus sympa. Et voilà. Pour aller voir en fait un point de vue qui est un point de vue de la ville de Michele in Bosco.
donc qui est au sud de la ville. J'ai pris un bus pour y aller. D'ailleurs, au passage, les bus à Bologne, ils ont des distributeurs automatiques de tickets. En fait, il faut juste mettre des pièces comme un distributeur normal et ils vous donnent un ticket qui est valable 75 minutes. Donc ça, je ne le savais pas. Je me suis refoulé quand j'ai voulu filer un billet de 20 euros ou ma carte bleue. Voilà, après, donc une fois que j'étais là-haut, en fait, j'ai repris le bus qui redescendait après, parce qu'il n'y a vraiment qu'un point de vue à aller prendre en photo. J'y suis allé un tout petit peu trop tard, parce que voilà, je m'y suis un peu mal pris et j'avais la flemme de me lever le matin. Mais voilà, en tout cas, j'avais une première vue de Bologne. Et puis ensuite, du coup, je suis allé du côté de rue de Pratello, donc j'ai repris le bus, je suis allé vers rue de Pratello, et alors la rue est sympa, elle fait très typique. Par contre, ce que je trouve dommage, et c'est ce que je reprocherais à Bologne en fait de manière générale, c'est que en gros la ville est très jolie, c'est très très beau, c'est plein de petites ruelles. Alors il y a des avenues beaucoup plus passantes, mais celles-là on peut vite les éviter et pour passer par des coins beaucoup plus étroits, beaucoup plus sympas. Mais par contre sur certains quartiers c'est énormément tagué au niveau du rez-de-chaussée hein, principalement. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça gâche un petit peu toute la beauté et la couleur des bâtiments. Du coup, c'est un peu cet esprit-là, en fait, la rue de Pratello. C'est très typique, très sympa à traverser, enfin à arpenter. Mais le problème, c'est que voilà, c'est très tagué et c'est un peu dommage. Ça fait un peu, ouais, c'est le côté un peu pauvre de la ville, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, quand on arrive au bout, c'est plus des bâtiments très typiques, c'est des bâtiments plutôt en béton, assez moches, hein, franchement, je le trouve vraiment pas très beau, ces bâtiments. Puis après, je suis revenu sur la place centrale. La place centrale, donc, qui est la place Maggiore. Et je suis allé visiter une... En fait, en allant sur la place, je me suis rendu compte qu'on pouvait visiter une église gratuitement. Enfin, c'est une cathédrale, quoi, la principale de Bologne. Et du coup, ce que j'ai trouvé pas mal dans cette cathédrale, c'est qu'en fait, on paye pour faire des photos. C'est-à-dire qu'on met 2 euros pour pouvoir faire des photos. On a un petit bracelet orange comme celui-là qui nous est donné. Comme ça, on nous repère assez vite. Et du coup, ça permet de faire des photos, tourner des vidéos comme on veut, etc. Et comme ça, on participe à la restauration de la cathédrale. Et je trouve ça plutôt sympa pour le coup. Du coup, j'ai fait le tour de la cathédrale. Je me suis même amusé à faire quelques photos avec le grand angle en essayant de me caler un petit peu comme je pouvais parce que j'ai pas de trépied sur moi. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de monter tout en haut de la cathédrale qui est en travaux actuellement. Et en fait, pour voir un petit peu... comment ça se passe et quel point de vue on peut avoir. On n'a pas un point de vue à 360 degrés, pardon, mais on a du 270 degrés à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà assez cool. Par contre, ça ouvre qu'à 10h30, je sais pas à quelle heure ça ferme, mais sauf qu'à 10h30, donc pareil, la lumière est pas dingue. Mais vous avez un beau point de vue sur la ville avec tous les toits orangés et tout, c'est vraiment superbe. Et puis les immenses tours, hein, parce que Bologne, il y a de ça aussi, je sais plus combien il y avait de tours qui protégeait la ville à l'époque, et maintenant il y en a beaucoup moins, mais il en reste quelques-unes qui sont quand même assez impressionnantes.
J'ai ensuite mangé au Sfoglia Rina, une adresse qui m'avait été conseillée par une collègue, et j'étais très agréablement surpris, enfin très très content en tout cas d'y avoir mangé. J'ai pris qu'un plat et un verre de vin, ça allait très très bien. J'ai pris un truc, c'était des tagliatelles avec un ragoût, enfin ils appellent R-A-G-U, ils appellent ça. On m'a dit que c'était très typique et effectivement c'est typique, mais c'est surtout très très bon. J'ai vachement bien mangé, comme tous les autres fois où j'ai mangé en fait jusqu'ici en Italie, j'ai vraiment, enfin il y a vraiment, gustativement c'est d'enfer. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu remonter au niveau de l'école, l'école, l'université même de Bologne, pour aller visiter une bibliothèque. J'y suis arrivé un poil trop tôt, donc du coup j'ai fait un tour dans le quartier. Je me suis amusé à... En plus j'ai été au niveau de l'heure de manger, donc vers midi, ouais midi, une heure, quelque chose comme ça. Donc c'était hyper cool de voir en fait tout le quartier qui était complètement animé. C'est un quartier très très étudiant puisque c'est au nord-est de la ville que se situent les principales universités, et notamment la plus ancienne. Et donc, je suis allé me balader, j'ai fait quelques photos qui je pense rendront vraiment bien. Ensuite je me suis rendu au Palazzo Pioggi, donc qui est en fait un palais où, qui abrite une bibliothèque avec des ouvrages très très anciens. Et donc j'ai fait le petit tour qui dure 25 minutes grosso modo avec, avec une guide italienne qui a fait le truc en anglais puisqu'on n'était que des visiteurs anglophones, donc du coup on a fait la visite comme ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que du coup on rentre dans une énorme bibliothèque. J'ai absolument pas pu faire de photos puisque pour le coup c'était beaucoup trop sombre. Mais c'est vraiment une bibliothèque assez impressionnante en plein cœur du quartier étudiant de Florence, j'allais dire, non, de Bologne. Et du coup me voilà au jardin botanique. Il va bientôt fermer donc moi je vais pas tarder. Là la suite du programme pour moi ça va être d'aller à l'auberge de jeunesse où j'ai laissé mes affaires, mes fringues quoi. Les récupérer, ensuite filer à la gare, donc j'en ai pour une quinzaine de minutes à pied à peu près, et aller récupérer mon train qui va m'emmener cette fois-ci à Venise. Et je suis plutôt pressé d'y arriver parce que c'est quand même un des gros points du voyage, donc j'ai hâte d'y être.